Ils sont bien fous à leur façon et à des degrés différents. Mais qui aura vraiment raison de tous? Je suis professeur de langue française, mais je ne me souviens plus quand j'ai enseigné la dernière fois. Par contre, je me rappelle du cours de soutien linguistique que j'offrais à mes élèves immigrants. Les fous, répétez après moi. On peut passer, chez un tapsé qui tapsé, le tapsé qui tapsé, du tout passer, qui tapsé, pourquoi passer bien tout passer chez un tapsé qui tapisse? Pourquoi? Le passé qui passé, répondit du tapsé qui tapsé, on peut passer aussi bien passer chez un tapsé qui tapisse, qu'un tapsé pour tapisser chez un tapsé qui tapisse. Oh! Que de beaux souvenirs! Les chemises de l'archiduchesse sont assèches et archi-sèches. Les chemises de l'archiduchesse sont assèches et archi-sèches. Les chemises de l'archiduchesse sont assèches et archi-sèches. Joseph est parti chez Zaché, Joseph est parti chez Zaché, Joseph est parti chez Zaché. C'est intéressant. Je dois aller soigner. C'est cher, Anita. Il faut que je fasse disparaître de sa tête toutes ces bombes qu'elle entend. C'est là, c'est pour elle. Pour Lolita, faire sortir son diable de son corps. Pour Consuelo, arrêter ces phobies qu'elle a des insectes qui la poursuivent partout. Pour Zeta, effacer son narcissisme. Ah! Est-ce que vous parlez français? Bomba! Bomba! Bombe! Bombe! Kabombe! Kabombe! Arrêtez! Protégez-moi! Bombe! Protégez-moi, professeur! D'accord. Protégez-moi! Elle parle français! Venez la calmer! Calmez-la! Calmez-vous! C'est une dose anti-bombe! Réponsez-vous maintenant. Il n'y a plus de bombes. Vous n'allez plus les entendre.
Elle ne va pas bien, la pauvre. Mais elle parle français. Cette belle langue que j'enseignais autrefois. Cette pauvre Anita, insécurité, peur de mourir, violence, dépression causée par un désordre social. C'est un manque. C'est vrai, docteur. Elle va se sentir mieux avec cette 200. Et moi aussi, je dois rester en contrôle. Professeur, est-ce que vous savez danser? Quoi? Est-ce que vous savez danser? Non, je ne danse pas avec les femmes que je connais pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis douce et on va danser très amoureux. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi danser, chanter, vite, tu n'es pas. Laissez-moi danser, chanter, vite. Laissez-moi danser, chanter, tous les temps. Elle avait besoin d'un calmant contre la foule. Merci, docteur. Elle ne pense qu'à elle, cette petite Zeta. Elle veut constamment attirer l'attention sur elle. Les autres n'existent pas vraiment. Elle les utilise pour arriver à ses fins. Elle ne vit que pour son miroir. Quel narcissisme! Intéressant à traiter. Aidez-moi, le procès, aidez-moi! Il y a des congresses qui montent tout sur moi! Des araignées dans mon lit, des abeilles qui font du miel dans ma tête! Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus! Nettoyez-moi de tous ces insectes! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Mon diable, te calme, vous l'avez réveillé! Ça remonte à mettre de moi. La nuit me réveille car il boule fort, fort, fort dans mon ventre. Parfois, il me parle. Il me dit: je te possède et tu ne pourrais plus te passer de moi. Je suis le raciné dans tes entrailles et tu obéiras à tous mes ordres. Tu vas devenir folle de moi et tu ne pourrais plus te passer de moi. Tu seras mien pour la vie. Je lui dis: non, sors de moi. Que tous ces insectes disparaissent de ton esprit. C'était une insecte ici puissante. C'est un personnage diabolique. Sors de ton corps. Je te dépossède de cette tête malveillante. Suelo. Intéressant. Imagination fertile ne peut distinguer la fable de la réalité, perd le contrôle de ses émotions à la merci de la folie. Et que dire de cette Lolita qui laisse son contrôle de la main du manipulateur?
a déjà traversé dans un monde sans possibilité de retour. Possédant un esprit diabolique, a déjà traversé dans un monde sans possibilité de retour. Schizophrénie avancée. Et que dire de cette infirmière, épris de sadisme, et ce docteur souffrant de trop d'empathie? Mes chers patients, regagnez vos chambres pour la nuit. Boudet, venez ici. C'est à votre tour d'interner dans votre propre hôpital psychiatrique. À partir de maintenant, vous serez mes nouveaux patients dans mon nouvel hôpital. Les autres ont subi le même sort il y a longtemps. Ils avaient tous leur tête. Enfin, bienvenue dans votre nouvelle demeure. Bravo. Bravo.